Alors voici un double challenge des trois modules. Pour l'instant, on écoute celui de gauche. Il est fait d'un Tidal Modulator, d'une Turing Machine et d'un Macro Oscillator. Le Tidal Modulator joue le rôle d'horloge et de modulateur. Il déclenche la Turing Machine qui fournit les séquences et le Macro Oscillator fournit les différents sons. L'avantage de la Turing Machine, c'est de pouvoir introduire des variations dans la séquence et de garder celle qu'on veut. Passons au deuxième challenge 3 modules. Ici, nous avons un sec Euclid qui va donc générer des séquences de trigger de façon euclidienne, un VSEC qui est un double oscillateur et le Trumor 2 qui est un module pied de caisse, caisse claire IATS selon les réglages que l'on fait. Ces deux-là viennent des VULT modules et ça donne. Les triggers du séquenceur euclidien sont utilisés pour déclencher le VSEC et les deux parties du Trumor indépendamment, mais ils sont aussi utilisés pour appliquer des modulations de telle façon, par exemple, avoir des différences d'octaves dans le VSEC pour varier un peu le son. Alors ces deux challenges 3 modules, complètement indépendants bien évidemment, ils ne sont pas reliés, donc ils ne sont pas synchronisés entre eux, ce qui signifierait faire une liaison ou d'ajouter une horloge centrale, mais si on diminue la vitesse du premier, on s'aperçoit pas trop qu'ils sont pas trop synchronisés, et à ce moment-là, les deux peuvent jouer ensemble. Donc, avec 3 modules, on ne peut pas souvent faire grand chose. Trouver des idées intéressantes, c'est pas facile. Il manque toujours au moins un quatrième module, mais c'est le jeu. Ici, on a deux challenges 3 modules, mais qui ont l'avantage de pouvoir fonctionner éventuellement ensemble. Relever le défi, c'est pas simple. Donc maintenant, à vous de jouer !